Imaginez une ville où la vie est devenue si triste que les gens n'ont plus goût à rien. Pourtant, au milieu de ce monde désespéré, il existe une oasis inattendue, le magasin des suicides. Chez Mishima, Lucrèce et leurs enfants, on trouve tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le grand saut. La petite entreprise familiale prospère dans la joie morbide et l'humeur sinistre, jusqu'au jour abominable où naît le petit Alan, la honte de la famille. Il sourit! Pire, il est la joie de vivre incarnée. Le verre est dans le fruit. Après Les Bronzés, le mari de la coiffeuse est ridicule, Patrice Leconte réalise son premier film d'animation avec Le Magasin des Suicides. Un film à vous faire perdre la tête.